L'artiste, qu'il soit sculpteur, peintre, acteur, poète ou musicien, est d'une telle importance pour l'existence des hommes, et si indispensable à l'être humain, qu'aucun peuple, aucun groupe humain ne peut vivre sans art et sans artiste. On n'a, jusqu'à aujourd'hui, jamais trouvé nulle part de peuple qui soit sans art. Même le peuple le plus primitif voit naître un art et des artistes. Il y a des peuples sans religion, mais il n'existe pas de peuple sans art. L'embellissement est donc l'animation, au sens de maître de l'âme, des ustensiles quotidiens, constituent un besoin de l'homme, un besoin bien plus grand que la religion. C'est pour l'homme un besoin vital d'enrichir et d'enjoliver la vie, parce que c'est là le seul moyen d'échapper au prosaïsme du quotidien. La quotidienneté, en effet, étouffe l'homme, engourdit ses sensations, ses espoirs, ses idéaux, ses pensées, au point que toute vie perd sa valeur et que la phrase la plus désespérante exclame strictement « Pourquoi vivre ?» Ce n'est pas la religion, mais bien l'artiste qui pose à l'homme cette question et lui répond par une si forte volonté de vivre et une capacité de création dont la puissance vient de tellement loin, le rend tellement égal à Dieu, que cette question elle-même périt sur les lèvres de l'homme. L'art dont nous avons besoin pour nous libérer mentalement, pour nous faire supporter le prosaïsme du quotidien, doit être d'une force telle que nous en serions touchés nous-mêmes. Il faut que nous puissions nous voir et nous sentir nous-mêmes dans l'œuvre qui est là, devant nous. Elle doit obligatoirement parler à nos sens, exprimer nos idées, et être l'expression de nos désirs avec tant de clarté que nous sachions aussitôt que c'est de moi que l'on parle, de moi au sein de l'univers, de moi comme élément de l'humanité et comme élément du cosmos. L'artiste n'a pas à être mon Dieu, ni une autorité, ni une figure supraterrestre qui me serait inaccessible et existerait cachée derrière les nuages hors de mon monde. L'artiste doit, dans son œuvre, me révéler qu'il est mon frère terrestre, qu'il est sujet à autant d'adversités que moi, plein de désirs comme moi, qu'il est porté par l'élan de se libérer des chaînes mentales comme moi, et bourré de pulsions et de lacunes comme moi. L'unique chose que je doive ressentir à son endroit, c'est de lui être reconnaissant de savoir exprimer avec pertinence, par la musique, la couleur, la pierre, la parole, la représentation, ce qui touche mon âme, et ce que j'essaie d'exprimer depuis le premier éveil de ma conscience de n'importe quelle manière, sans y parvenir. Car nous sommes enchaînés dans notre esprit et nos désirs, quand nous ne pouvons pas exprimer ce qui nous torture ou nous enthousiasme. Et nous sommes d'une indigence amère quand nous n'avons parmi nous personne qui sache exprimer aisément à nos yeux ce qui agite sans répit notre âme. Il n'y a que l'artiste pour nous rendre hommes et nous faire consciemment sentir que nous sommes hommes. Une œuvre qui ne t'atteint pas, qui ne parle pas à tes sens, à ta pensée, à tes désirs, à ton âme, n'est pas ton œuvre d'art. Il faut que tu puisses sentir que l'artiste a voulu te parler personnellement, qu'il a tenté de visiter ton âme, qu'il désire lui parler. Il faut que tu l'approches de si près que tu aies le sentiment, sans rien savoir de lui et de sa personne, qu'il a voulu te dire exactement ce que tu voulais depuis longtemps te dire toi-même, mais ce que tu ne pouvais pas dire parce que la puissance, la force, la capacité de l'expression te font défaut, alors qu'elles ont été données à ton frère humain. Le grand art s'adresse à l'intelligence, mais l'art le plus grand, le plus noble, le plus gratifiant, est celui qui s'adresse à ton cœur et à ton âme. Ce qui peut changer ta vie quotidienne terne et vide en jour de fête, ce qui sait te remuer au point où tu voudrais remercier de tout cœur l'artiste, à l'égal d'un Dieu, parce que c'est pour toi, et apparemment pour toi seul qu'il a créé, c'est là ton art qui t'appartient. Il n'y a qu'un créateur dans le ciel et sur la terre, il n'y en a qu'un qui fait briller le soleil pour toi, même si tu devais être loin sous la terre. Il n'y a qu'un miséricordieux pour nos soucis, et il n'y a qu'un rédempteur pour nous délivrer de toute notre détresse psychique. C'est l'artiste. L'artiste qui est ton frère, qui est de ta chair et de ton sang, de tes souffrances et de tes joies. Mais je vous le dis, des morts vivent, plus vivants que les vivants, et des vivants habitent parmi vous qui sont déjà morts, depuis leur premier jour d'école, et cela même s'ils vous disent « Nous vivons car nous avons le pouvoir ».« Ma patrie est où je suis, où personne ne me dérange, où personne ne me demande qui je suis, d'où je viens et ce que je fais. »
malgré ses troubles et ses défauts, ses déceptions, ses souffrances, ses problèmes, ses événements fâcheux et ses averses de grêle ponctuelles, ce monde reste néanmoins trop beau pour qu'on l'abandonne, même si l'on est malade, fatigué de la vie ou proche d'une fin sans espoir. Tenez bon, poursuivez la lutte, ne laissez pas tomber. Crachez au visage de la mort et tournez-lui le dos. Le soleil est toujours dans le ciel, entouré d'étoiles.